lo na moni na note olingo na yo na lukaka yo e ti lelo na yo ki na note mongongo na yo na lukaka yo e ti lelo na simbi na note loboko na yo na lukaka yo e elongi na yo yango na zoluka loboko na yo yango na zoluka présence na yo yango na zoluka tilelo na moni na note elongi na yo na lukaka yo Yesu ti lelo na comprendre na note lolengo zali na lukaka yo ti lelo na moni na note présence na yo na lukaka yo oh na yango nazopusana liboso ya kiti na yo ya kofuka mama buku nanga likolo ya motu ya nde motema nanga na bonsi Yesu koma melodi nanga koma melodi nanga yo koma melodi nanga koma melodi nanga Est-ce que Jehova nde kombo na yo pona bengela yo Est-ce que Maranatha nde kombo na yo na bengela ko Est-ce que Adonai nde kombo lingaka na bengela yo Yes, est-ce que El Shaddai nde kombo no préféré Pona bengela koe Est-ce que elle lion de kombo na yo na bengela koe Est-ce que papa de kombo lingaka na bengela koe Oh na yango nazokusa na liboso ya kiti na yo liboso ya kiti na yo Boko na gali kolo Ya motu ya ne motema nanga na bongo Koma melodi nanga Koma melodi nanga Yesu koma melodi nanga Ya koma melodi nanga Melodi motema Na lingaka kuna Yesu Talati Nangai na nandaka Kuna Yesu Talati Nangai na lingaka Kuna Yesu Talati Nangai na olanda yo Éternel,
Oh.
le Seigneur des. Thank you.
soie. Viens dans la joie. Viens dans la joie. Sans rentrer, vous êtes dans la joie. Viens dans la joie d'être ici. Est-ce qu'on peut manifester notre joie? Ah! Sans rentrer là au milieu, là. Vous êtes dans la joie. Est-ce qu'on peut manifester votre joie? Ah, on dirait ici, ils sont plus joyeux qu'ici, hein? Ici, ils sont plus joyeux qu'ici, hein. Aïe, 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 aïe. L'oranger là-bas. Est-ce que vous êtes dans la joie? Manifestez votre joie. L'oranger au coin là-bas. Est-ce que vous êtes dans la joie? Non, ici, là, ils vont jouer. Thank you.
chercher Dieu ce soir? Amen. Est-ce que nous avons besoin de l'emporter Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi du roi? Oh! Bien-aimés, avant de rentrer dans un moment, moi j'appelle ça le moment stratégique, le moment principal de rencontrer Dieu. Si vous voulez le rencontrer, c'est ce moment. Parce que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille n'est pas dure. Dieu résiste aux pécheurs. Dieu, ce qu'il est, c'est le péché. Et il n'entend pas la voix du pécheur. Il n'écoute pas la prière du pécheur. Voilà pourquoi plusieurs personnes sont passées à côté des moments solennels avec le Seigneur, des moments de rendez-vous avec le Seigneur. Souvent nous venons, nous gênons, nous restons dans des nuits de prière, mais nous n'avons pas eu le temps de rencontrer, de faire la paix avec le Seigneur. Et en ces moments-là, grâce de Dieu passe. Mais je ne veux pas que cette grâce passe ce soir. Je veux que cette grâce aujourd'hui, et que le Seigneur puisse t'écouter, que le Seigneur puisse changer ton histoire, que le Seigneur soit ton Dieu. J'ai tourné la France, j'ai fait des tournées en France d'évangélisation, mais quelque chose qui me chagrine, quelque chose qui me fait pleurer. Je vois la spiritualité en France est devenue trop superficielle. Les gens viennent vous chanter, sauter, oui, mais rencontrer Dieu, c'est la chose la plus difficile. Je pleure, je dis, Seigneur, tu nous as établi des serviteurs, mais lesquels qui monteront le jour de l'enlèvement? Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, c'est une rencontre solennelle avec Dieu. Je veux que tu puisses prendre le temps, parce que c'est un temps important. Écoute-moi, Samson avait péché. Il n'avait plus sa chevelure. Mais un moment dans la prison, il fléchit les genoux devant le Seigneur. Il dit au Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés. Fais de telle sorte que ma chevelure pousse encore. Et Dieu écouta la prière de Samson. Il lui a fait pousser la chevelure de Samson. L'ennemi ne voyait pas ce que Dieu était tenté de faire. Mais la chevelure poussa. Ce soir, il faut que la chevelure pousse encore. Il faut que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, s'éclate ici. Dieu va toucher les gens. Dieu va guérir les gens. Parce que nous ne sommes pas venus à la rencontre comme des politiciens, comme au meeting des politiciens. Mais nous sommes venus rencontrer Dieu. Si tu es venu malade, tu dois être guéri. Si tu as un problème, il faut que le Seigneur te touche. La puissance de Dieu va s'éclater ce soir. Maintenant, prends le temps. Oh, je vais inviter ma fille que j'aime beaucoup. La fierté qu'on connaît, ma fille Karine, qui va venir. Et avec ma fille Rita aussi, qui va l'accompagner, nous allons faire monter la gloire du Seigneur. Si tu veux t'agenouiller, tu t'agenouilles là. De ce que le Seigneur nous pouvons faire. Mais ne reste pas insensible. Cherche la face du Seigneur. Cherche la face du Seigneur. Cherche la face du Seigneur. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Cherche la face du Seigneur, petite fleur. Alléluia, tu t'es éloigné du Seigneur. Et tu n'as jamais demandé pardon à Dieu sur le moment maintenant. Il t'écoutera, il t'exaucera. Allez-y, s'il vous plaît. Entre dans la méditation, rentre dans la méditation. Cherchons la face du Seigneur. Cherchons Dieu de tout cœur. Approchons-nous de Dieu. Négocions devant le Seigneur. Négocions devant Dieu. Tout seul,
Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que ton sang
ton sang qui a coulé à Golgotha. Honte de nous purifier, honte de nous laver. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te donnons l'offrande d'acclamation. Nous te donnons l'offrande d'acclamation, Seigneur. Oh, reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations, Seigneur.
retirer un peu le masque. Vous savez, la Bible est claire. La Bible dit, voici qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. C'est-à-dire que le fait de se réunir dans le nom de Jésus doit susciter en chacun de nous un sentiment de joie. C'est-à-dire qu'il faudrait que ton bonsoir soit céleste. Bonsoir. Bonsoir. On va faire les deux. Vous allez voir la différence. Bonsoir. Bonsoir. La palette a suivi. Bonsoir. Maintenant, regardez la différence. Maman, maman, quelle est ma beauté? Des amis directs, Papa Alain, il est au milieu de nous. Papa Alain Paul Goma, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Papa, moi je suis devant la caméra, mais derrière la caméra, c'est Papa Alain qui a les commandes. Et c'est une bénédiction pour chacun de nous, pour l'œuvre que nous sommes en train de mener. Papa Alain, à toi et à tous les amis du direct, nous voulons te souhaiter une cordiale bienvenue. Que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Alors, ma joie est immense ce soir de ce que nous recevons, une plénitude de serviteurs. Alléluia. Amen. Or, ce soir est un jour de fête. De ce que le Seigneur nous a visité à travers ses serviteurs. Je voudrais souhaiter une bienvenue à un grand frère. À un frère. Il a quitté Nantes. Il s'est retrouvé à Paris. Arrête. Papa Brunel Montessi, est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que le pasteur peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'il faut s'appeler pour ce film? Alléluia! Non, pasteur, restez debout. Le pasteur n'est pas seul et toute la délégation qui l'accompagne aussi. Nous voulons vous souhaiter une cordiale bienvenue. Nous vous disons bon accueil. La Bible dit, vous n'êtes plus des étrangers. Mais désormais, vous êtes gendre dans la maison du Seigneur. Amen. Vous n'êtes pas dans un milieu inconnu. Vous êtes dans un rassemblement des enfants de Dieu. Alors que la gloire de Dieu dans la vie de chacun de vous, ici réunis, se manifeste. Pasteur, bienvenue. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci, pasteur. On aura le temps de s'habiller. Le pasteur reste debout. Le pasteur reste debout. Nous souhaitons une cordiale bienvenue. Alors, lui, c'est un habitué. Au premier rendez-vous des amis du direct, il était là. Alors, il parle beaucoup anglais. Et puisque toi, tu as séché les cours d'anglais, c'est ton problème. Mais pour ceux qui ont gardé quelques notions d'anglais, nous voulons d'abord souhaiter la bienvenue à, nous nous l'appelons affectueusement, Papa Alain.
prier. Je ne sais pas qui t'accompagne. Alléluia. Je ne sais pas qui t'accompagne. Nous souhaitons une cordiale bienvenue. Alors, lui, certainement, vous l'auriez compris, il est parti du Congo-Brazzaville pour la France, où il est en train de séjourner. Ceci étant, le Seigneur a permis qu'au moment où nous sommes en train de nous réunir pour notre événement de fin d'année, qu'il soit encore au milieu de nous. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous avons la joie, le bonheur et le privilège d'accueillir affectueusement le pasteur Serge Villard. Alléluia! C'est-à-dire que lorsque ces hommes sont debout, s'il y a un esprit qui résiste, c'est compliqué. Alléluia! Alors, c'est pas tout. Nous avons parmi nous notre frère, notre yaya, notre tonton. Nous avons l'habitude de le voir. Quelqu'un m'a dit, le frère qui est toujours cravaté, c'est qui? Il y a toujours la cravate, mais c'est qui? C'est le frère souvenu, Ariane, Magdalena, qui est parti. Bienvenue, j'aurai le temps de dire un mot pour chacun de nous. Une cordiale bienvenue à la servante du Seigneur. Elle m'a harcelé au téléphone, elle m'a dit, mais frère, comment frère? Je ne suis pas au courant comment. J'ai dit, j'étais tellement dépassé. Mais le Seigneur lui a donné la force, le temps, la disponibilité de se rendre parmi nous ce soir et aussi à son tour apporter sa pierre à l'édifice grâce au talent et au temps que le Seigneur a mis en elle. Je vais donc recevoir aussi affectueusement la sœur Rita. Oh. Serviteur de Dieu. Vous savez, dans l'œuvre que nous sommes en train de mener, j'ai appris une chose, que l'union fait la force. Amen. Kintwani kivananga kisale tatanza mikaneme kagriminaya mikeku na toi la veille. C'est-à-dire que tu peux chanter, mais tu te rendras compte que tu ne peux pas chanter et jouer au même moment. Même si tu le fais, tu vas t'épuiser. Amen. Et donc, on a besoin de cette symbiose, de cette solidarité dans le Seigneur, afin que l'œuvre de Dieu aille l'avant. Et donc, par ces mots, je voudrais souhaiter une bienvenue aussi à notre frère, Papa Henri. Papa Henri, c'est la bienvenue. Bon, Yakari a été reçu. Mais j'ai quand même aussi le droit de le recevoir officiellement, de la recevoir, sinon de les recevoir officiellement. Elle a su l'écorcher tout à l'heure, elle est arrivée exceptionnellement, parce qu'elle a une production demain à Paris, à laquelle d'ailleurs nous invitons chacun de nous à être présent, à se connecter, ça ne coûte absolument rien, mais le Seigneur a quand même permis qu'elle soit là. Et comme je l'ai dit, je ne sais pas qui t'accompagne. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas qui t'accompagne. Amen. Mais la sœur Karine est accompagnée par son cher et tendre époux. Nous l'appelons affectueusement Yaroma. On va demander au couple de se lever, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Alléluia! Voilà, bienvenue à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et je suis reconnaissant pour votre présence. Mais le Seigneur sera vous récompensé. Amen. Alors, ils ne sont pas seuls. Ils sont arrivés avec un frère.
Les habitués le connaissent, en tout cas les artistes musiciens. C'est le frère Prismaïdou qui est au milieu de nous. Est-ce qu'on peut aussi bénir Dieu pour sa présence? On va le faire d'une manière assez particulière. Et donc, en ces mots, pendant que nous allons accueillir les hommes de Dieu, bon, on va le faire au même moment pour gagner le temps. Je voudrais souhaiter une cordiale bienvenue au noyau des amis du direct. C'est-à-dire que ce noyau qui fléchit les genoux, ce noyau qui intercède ses soldats et ses combattants qui luttent pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. De partout où vous vous trouvez dans la salle, je demande aux membres du noyau de se lever. Belle terre, mais c'est avec. Ah, béni soit Dieu. Alléluia. Voilà. Et donc le noyau, c'est le corps qui tient et qui soutient ce ministère dans le secret, mais surtout en fléchissant les genoux. À vous, frères et sœurs, partout dans la salle, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Que le Seigneur vous accueille, qu'il vous bénisse, qu'il vous utilise dans la dimension selon sa grandeur. Bébé d'avoir bien aimé, vous les assurez. Alors, vous restez debout quand même. Je voudrais souhaiter une cordiale bienvenue à toutes les personnes, on est assez nombreux, à toutes les personnes qui se joignent à nous pour la première fois. C'est la première fois qu'on t'a invité. C'est la première fois que tu assistes à un culte des amis du direct. Est-ce que tu peux te lever? Yes, c'est là. D'accord. Est-ce qu'on peut lever le Seigneur? Yeah. Ah, c'est une joie de vous recevoir. C'est une joie de ce que vous avez sur la base d'une invitation, d'une conviction, accepter de laisser votre confort afin de demeurer dans la présence du Seigneur. Le Dieu qui nous appelait, le maître de la mission, se souviendra de votre présence pour vous donner ce que vos cœurs désirent et répondre favorablement à vos prières. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Parfois, Anne n'est pas venue seule. Il y a une équipe qui a accompagné Papa Alain. Alors, l'équipe qui a accompagné Papa Alain, vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Nous voulons aussi vous souhaiter une cordiale bienvenue. Alléluia! Gloire à Dieu! Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Que le Seigneur vous accueille, que le Seigneur vous bénisse. Enfin, nous allons souhaiter une cordiale bienvenue à notre maman, à notre servante, à notre diaconesse. C'est maman Ghislaine Mouyabi. Maman Kébi. Elle a reçu de la part du Seigneur mandat de conduire ce culte et de voir pendant qu'elle est là debout, dans ton fond intérieur, prie pour que le bateau qu'elle est en train de conduire arrive à bon port. Amen. Maman Kegui, bienvenue. Le Seigneur te bénisse, qu'il te préserve et que la tâche qui t'incombe arrive à son terme. Amen. Amen. Alors, je vais souhaiter finalement une bienvenue à toute la famille des amis du direct, de l'Est, de l'Ouest, du Nord. Il y a des gens ici qui ont quitté l'Angleterre, l'Italie, de partout. Toute la famille des amis du direct, mais de l'éternel. Ah! Allez, tout à l'heure! Alléluia! Pour être convenus, nous allons vous saluer actuellement. Nous allons vous serrer les mains. Je vais demander à Papa Alain, à Maman Torel, à Papa Sheba, vous qui représentez le bureau des amis du direct, vous allez vous approcher de nos serviteurs. Vous allez les saluer et pendant ce temps, nous allons vous saluer aussi ensemble dans l'assemblée par un saint. Ah, comme ça. Ah, ok. C'est pour m'a précisé qu'il faut se saluer comme ça à cause du corona. Ou comme ça. Il n'y a pas de problème. On va partager. On le fait à la wesh comme ça. Voilà. Donc on va se saluer très sincèrement
Je vais demander aux serviteurs de Dieu de nous saluer. Salut ton frère, salut ta soeur. La chorale peut nous entonner un chant d'animation pendant que nous sommes en train de nous saluer pour la gloire de notre Dieu.
Thank you.
te disons merci pour cette belle opportunité que tu nous accordes. Notre Dieu, avec toi, nous ferons des exploits et nous te laissons la première place qu'il convienne. Je ne suis pas digne de parler de toi parce que je suis un pécheur. Oui, lorsque je regarde ma vie, je ne suis pas digne. Mais cependant, tu m'as fait grâce. Seigneur, je te bénis parce que tu fais ce que tu veux avec les hommes que tu utilises. Alors, je me livre entre tes saintes mains afin que tu parles et que ton esprit se meuve pour que chacun d'entre nous soit librement et largement béni. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié le Père et nous disons tous Amen. Amen. Un Amen joyeux. Amen. Un Amen qui énerve Satan. Je suis en train de dire ceci. Donne-moi un Amen joyeux. Maintenant, un Amen qui pousse Satan à craquer, à céder. Dis à ton voisin, maintenant nous allons naviguer. Passons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Tu es sur un bord et tu dois aller sur un autre bord. Alléluia. Je prêche dans la joie, je ne suis pas un pasteur constipé. Alléluia. L'évangile signifie la bonne nouvelle. Et je ne peux en aucun cas prêcher la parole de front fermé. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, on est dans la joie. On exprime ta joie ce soir. C'est une très lourde responsabilité. Lorsque Papa Cardo m'a appelé, uni dans l'esprit, il m'a dit, Papa, prenez les yeux, m'a mis à cœur de t'appeler pour que tu puisses porter le message. J'ai dit, waouh. La nuit même, je venais de voir grandement, j'étais avec Papa Cardo. Le Seigneur me montre dans la vision nocturne que nous étions ensemble à ce moment-là, le moment dans lequel nous sommes, nous trouvons. Et j'ai vu que nous étions dans la joie avec Papa Cardo. Et je me suis empressé de l'appeler, j'ai dit, Papa Cardo, voici ce que j'ai vu. Il m'a dit, homme de Dieu, en vérité, je vais te dire que j'allais t'appeler parce que c'est exactement ce qui va se passer. Alléluia. Alors, honneur à la parole de Dieu, après nous allons voyager au travers de la parole. Le texte sur lequel nous allons nous entretenir ce soir se trouve dans le livre de Marc au chapitre 4, versets 35 à 41. Mais ce n'est pas le seul endroit où nous allons trouver ce texte, nous allons aussi le trouver dans le livre de Luc et aussi dans le livre de Matthieu. Mais nous n'allons pas tout lire, nous allons nous concentrer sur Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Je lis la parole du Seigneur. Ce même jour, le Seigneur Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Vous voyez, c'est une question assez intéressante. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Dis un grand calme.
Merci. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point la foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Le thème de notre message, c'est celui-ci, allons à notre bord. Allons à notre bord. L'histoire qui vient d'être racontée concerne le fait que le Seigneur notre Dieu, qui était avec ses apôtres, et pendant qu'ils étaient ensemble, la Bible nous enseigne que le Seigneur venait de faire des choses extraordinaires dans la journée. La Bible déclare que ce même jour, dans la journée, il venait d'opérer de grands miracles. Il venait d'apporter au peuple de Dieu un enseignement grand. Il était en train de traiter des paraboles. Il parlait sur les paraboles. Mais la parole de Dieu nous enseigne que cela ne suffisait pas. Il venait aussi de guérir. Et le diable en aval, c'est bien parce que ça passe vite. Yaya, d'une manière ou d'une autre, tu meurs. Et tu dois aller sortir quelque part. Alléluia. Amen. Tu dois aller sortir quelque part. Il y a des gens, oui, moi je préfère mourir dans mon sommeil, c'est l'une des meilleures morts. Mais mon ami, il y a des gens qui dormaient, on les a tapés dans leur sommeil. Vous n'avez rien vu. Des tchoukis qu'il a pris là. Vous n'avez pas vu ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire quelque chose. Que lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous connaîtrons des hauts et des bas, mais l'essentiel est d'avoir le Maître. La Bible déclare que alors que le Maître était en train de dormir, certainement si ma vie ne change pas, peut-être que mon Jésus a moins tort. Mais je dois apprendre à le réveiller. La Bible déclare qu'il l'a réveillé. Encore on dit, viens, on va prier. On va prier combien d'heures? Ah, parfois tu regardes la tête du pasteur, tu te dis, on va prier, tu dis, lui, il jure trop. Hein. Oui, c'est comme ça l'église. Hein. Papa, on peut prier. Oh, il n'y a pas de souci, ma fille, viens, on va prier. Après, tu regardes le pasteur, pendant que le pasteur te le prie, oh éternel, mon Dieu, bénis ta fille, papa. Après, tu les regardes. Et puis dès que les pasteurs ouvrent les yeux, tu fais, oui papa, alléluia, merci Jésus. Passe à l'autre bord, il faut aimer la prière. La prière, c'est surnaturel. Celui qui te dit que la prière, c'est quelque chose de naturel, c'est un menteur. On apprend à prier. Et plus on va prier, plus on va prier, plus on va vivre des choses avec Dieu, plus on va être encouragé. Les gens qui ne prient pas longtemps, c'est les gens qui se découragent vite dans la prière parce qu'ils ne vivent rien. Et puis il y a des moments quand tu pries là, apprends à écouter Dieu. On est tellement bavard, on balance des choses à Dieu. Hein, tiens Jésus, règle ça, règle ça. Une fois, il y a un ami, il y a un ami est drôle. J'ai écouté sa prière, et dans sa prière, vous savez ce qu'il faisait? Saint-Esprit, va, touche ma mère, touche ma mère. Va, touche. Je l'ai arrêté. Il dit, mais pasteur, pourquoi tu arrêtes ma prière? J'ai dit, parce que tu n'es pas encore à l'autre bord de la prière réelle. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'envoie. Et toi, tu envoies le Saint-Esprit, va et touche. Non, mais vous rigolez, moi. Le Saint-Esprit nous envoie. Mais quand nous prions, nous faisons du Saint-Esprit notre serviteur. Va et touche. Maintenant, toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Nous faisons quoi? Je suis en train de vous donner en même temps. Mon ami, c'est pas ça, l'autre bord. Hein? Je suis en train de vous donner que les petites clés qui doivent nous aider tous à atteindre la grâce de Dieu. Vous attendez quoi? Le pasteur ne mouille pas le maillot comme sur Facebook. C'est un problème? Nous sommes en train de prêcher. En fait, je pense que c'est le jour.
marcher. Parce que le Saint-Esprit te bouge. C'est lui qui t'envoie. C'est à toi depuis que tu es converti. D'aller vers ta mère, d'aller vers ton père, d'aller vers tes enfants, de leur parler de ce Dieu-là. Maintenant, Saint-Esprit va être bouge. Il dit, j'ai plus soin. De toute façon, je peux obliger, c'est obligé. Je ne touche un. Oh, je ne touche un. Réveille Dieu dans la prière. Si tu pries que 20 minutes, apprends à prier maintenant 30. Si tu pries que 15 minutes, augmente encore un peu. C'est une résolution. Passer à l'autre bord, c'est prendre une décision ferme. Si tu fais les mêmes choses en 2022 que tu as fait en 2021, le même résultat de 2021 va te suivre de l'autre côté. Allez, regardez, je vais vous donner l'histoire. Dans la Bible, on nous parle d'un homme. Cet homme-là, c'est Pierre. Moi, j'aime trop Pierre. Depuis tout à l'heure, je monte là-bas, je vais regarder les textes, mais je ne regarde même pas. C'est beau, hein? Pierre se trouve avec les autres dans la barque. La Bible déclare que c'était la nuit, le vent était contraire. Il y a un monsieur qui commence à marcher sur l'eau, la première fois dans l'histoire. Ils vont crier, c'est un fantôme. Mais la parole de Dieu nous enseigne que il y a un qui va se démarquer. Oh, il y a passé à l'autre bord, c'est arrivé à se démarquer. Vous savez, moi, le passé, je suis unique. Hein? Ah oui, hein? Papa Carlo est unique. Papa Ali est unique. Vous êtes un unique. Même s'il y a des choses, il n'y en aura jamais deux comme vous. Amen. 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 Il manque toi, surtout les soeurs, et je vais vous donner un secret. Arrêtez. Parce qu'en France, ici, on a les mêmes magasins. Hey, je ne peux pas me l'appeler. Elle a mis la même robe que moi. Mais quand toi tu mets ta robe, marche avec une autre démarche. Hein? Et voilà, marche. M'adonne-la, hein, avec ta démarche. Donne la forme à la robe. Mais elle va te poser la question. Mais la robe, là, on l'a pris aussi chez Sarah. Tu dis oui. Mais comment ça va chez toi, c'est joli. Mais pas si la démarche du néant. Alléluia. Imaginez, vous savez, lorsque vous lisez la parole, il faut arriver à entrer dans l'écriture pour essayer de comprendre ce qui s'est passé là. J'ai commencé à lire, vous savez, j'ai eu une grâce. Je dis c'est une grâce, mais c'est une folie. Lorsque, pendant une année, ça m'est arrivé pendant une année, lorsque je lisais la parole de Dieu, je pouvais en même temps parler avec Paul. C'est-à-dire que je lis la Bible, mais je dis Paul, lorsque tu étais au milieu de l'aéropage, quand on te posait des questions, qu'est-ce qu'il te disait? J'entends dans mon esprit, en fait, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail, d'accord? Mais Paul me parlait, Brunet, tu vois le monsieur qui est habillé en rouge, je pouvais même voir papa, je pouvais voir les personnes, je pouvais même sentir les odeurs. C'est une grâce. Donc lorsque tu lis la parole, moi lorsque je commençais à lire ce texte, j'ai commencé à voir le tumulte qui a eu lieu. Les gens commençaient à crier dans la foule. Ils commençaient à crier. Oh mais Pierre, mais tu es un insensé. Pierre, mais Dieu, tu n'es pas sérieux. Comment peux-tu faire de telles choses? Ne sors pas de la barque, tu vas te noyer. Oh Pierre, il y a rien à faire moi. Mon maître m'appelle. Mon maître m'a. Les amis m'ont dit, mais Pierre, tu es un insensé. Dans l'histoire de la Bible, il est le seul après Jésus à avoir marché sur l'eau. Yaya, on a dit qu'il marchait sur eux. Oh, il marchait sur eux. Il marchait sur eux. Tu viens avoir des résultats.
Et le problème, c'est qu'on vient toujours faire la même chose. On fait la même chose. On fait la même chose. Et on se plaint d'avoir les mêmes résultats. Pierre a dit qu'aujourd'hui, je vais faire quelque chose que vous, les autres, là, vous ne pouvez pas faire. Je vais sortir de là-bas. Je vais oser sortir de là-bas. Je vais oser sortir de là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire que pendant que le maître était en train de dormir, les apôtres se sont levés, ils ont commencé à dire, nous périssons. Est-ce que ça ne te fait rien de voir que nous sommes en train de périr? Est-ce que vraiment ça ne te fait rien? Mais j'ai réfléchi, j'ai dit, mais quand même, réfléchissons ensemble. L'Écriture déclare que Jésus devait mourir au bois pendu. Donc, on n'a jamais dit que Jésus allait mourir noyé. On n'a jamais dit que Jésus allait mourir par une noyade. Donc, cela pouvait être une information suffisante pour aider les enfants de Dieu, les apôtres qui étaient là, à garder la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, parfois on se moque des personnes. Et il n'a pas la foi, il n'a pas la foi. Vous savez que Jean-Baptiste a perdu la foi, le fils Cadon. Jean-Baptiste a perdu la foi. Amen. Tu n'as pas encore rencontré des situations qui vont bousculer ta foi. Il y a des gens qui sont là. Mais comment est, ma chérie? Comment ici tu n'as pas réussi à résister? Oh, là, il fallait résister. Faut avoir la foi. Un jour, alors que j'étais en train de prier, le Seigneur est venu me parler. Il m'a dit, Brunel, les choses que tu prêches aux autres, tu les vivras toi-même tôt ou tard. Donc, lorsque nous les passons, nous sommes là, bien-aimés, ayez la foi. Un jour, Dieu me fera passer par une situation où ma foi sera éprouvée. Il ne suffit pas de dire la foi à la foi. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il est là, l'agneau de Dieu, il est là. Mais lorsque Hérode a dit, mon ami, toi, en prison, demain au lever du soleil, oui. Jean-Baptiste était tourmenté, il a fait encore des disciples. Venez, venez. Il vient auprès de lui et il va lui dire, allez demander à Jésus. Si c'est lui qui est le Messie. Mais hier, tu criais, voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché, voici, voici. Alléluia. Chers frères, chers sœurs, nous ne nous condamnons pas les uns les autres. La Bible déclare dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 41, verset 6. Il cède l'un et l'autre et chacun dit à son frère courage. L'Église n'a plus l'esprit d'entraide. L'Église n'a plus l'esprit d'encouragement. Au lieu de condamner, moi je vous ai toujours dit, arrêtons cette habitude-là. Toi tu ne sais pas pourquoi manipuler Facebook. Moi c'est Papa Carlo qui m'a appelé. Il est là. Papa Carlo, tu es où? Il est là. Amen. Moi c'est lui qui m'a appelé. Je voulais parler sur Facebook. Il m'a dit de les trouver. Pas Facebook. Il a dit non, papa, prenez, viens. Après, il m'a laissé. Papa Carlo, c'est comme ça. Il te prend et puis il te jette. Voilà, ça, c'est Papa Carlo, mais je l'aime à travers le Seigneur. Ah, oui, oui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. Hein, moi, je n'ai jamais pour moi fait Facebook, hein, mais c'est la première fois. Et puis quand il dit c'est la première fois, c'est vous montrer. Regardez tel pasteur est tombé. Oh, je ne vais que vous montrer. Mais moi, c'est la première fois. Église, passons à l'autre bord. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. C'est à cause de ça que nos vies ne changent pas. C'est à cause de ça qu'on ne réussit pas. Yaya, Jésus m'a venu avec l'évangile l'autre. Moi, je prêche terre à terre. Parce que c'est ça que vous devez entendre. Tu n'as jamais utilisé Facebook, mais tu vas utiliser Facebook la première fois. Comment dire ça, the first time? Pour la première fois.
Tu vas maintenant te décider pour faire le buzz. C'est un péché. Église, ne faisons pas ce genre de choses. Mon ami, tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne sais pas quelle est la chose qui t'attend demain. Soyons vraiment très doux les uns envers les autres. Manifestons beaucoup d'amour. Ne va pas juger quelqu'un trop vite. Oh, moi je ne comprends pas, et pourtant c'est un homme de Dieu, comment ça se fait, il est tombé. Mais pendant que toi tu le critiques, mais c'est un homme de Dieu, il s'est repenti. Mais toi tu l'as maintenu dans une case, et tu ne fais que te moquer de lui, alors que lui il avance, il sort décédé, il continue, que tu n'as même pas sorti, même pas une chance. Seigneur, nous avons, mais c'est toujours important de se connaître et de se présenter. Amen. Vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de passer dans les couloirs et j'ai écouté deux personnes parler. L'un a dit, c'est lui, papa Cardo. Mais je fais comme si je n'ai pas suivi. Après, l'autre doutait un peu. Et puis l'autre a dit, c'est lui, regarde ses oreilles. J'étais en train d'introduire l'homme de Dieu. Ça a été une,
une belle rencontre, une belle opportunité que le Seigneur nous a donnée. Et je l'ai contacté effectivement pour lui dire, nous avons besoin des serviteurs de Dieu. Nous avons besoin d'être bénis. Nous avons besoin qu'en cette fin d'année, que le peuple de Dieu reçoive sa part de bénédiction pour tout ce que le Seigneur est en train de faire. Et ma plus grande joie, c'est lorsque les enfants de Dieu se retrouvent ensemble et servent le Seigneur dans l'unanimité. Amen. Et donc le pasteur a été très gracieux, très gentil. Il a répondu favorablement à notre invitation. Alors frères et sœurs dans le Seigneur, comme il est bon, il est doux, il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, en ces mots, nous allons accueillir avec beaucoup d'acclamations l'évêque David Ondon et surtout. C'est pas grave. Bonheur partagé. Alors, l'évêque n'est pas seul ce soir. Il est accompagné d'une équipe des frères et sœurs, des collaborateurs, des serviteurs de Dieu qui l'accompagnent ce soir afin de mener à bien la mission que le Seigneur lui a confiée. Je vais donc demander respectueusement à toutes ces personnes qui accompagnent l'évêque de se lever afin que nous puissions s'y faire dans l'écueil. Est-ce que vous pouvez nous dire ? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour leur vie ? Vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes gens de la maison du Seigneur. Amen. Et souvent, lorsque je fais mon accueil, je dis que les dons s'expriment. Amen. Que la grâce de Dieu en chacun s'exprime. Tout à l'heure, j'étais mal à l'aise. J'ai dit changez-moi de pantalon, changez-moi de chaussures, parce qu'il faut payer ça. Et dans les conditions que j'étais, ça ne marchait pas. Donc, il faut que le Saint-Esprit de Dieu s'exprime. Celui qui a la grâce, la miséricorde de Dieu, de servir le Seigneur, de manière sincère, le Seigneur vous a vu la même mission. Accomplissez cette mission dans le respect de l'évangile de Jésus. Amen. Alors, je vais donc demander respectueusement à notre papa, qui est votre premier responsable. Papa, là, tu vas te lever, tu vas. Est-ce que papa est là? Ah, voilà. On va donc demander à papa. Bon, donc les deux papas là, le papa Alain français et le papa Alain anglais. Ensuite, la diaconesse Gisèle Biabi. Vous allez donc saluer affectueusement les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui sont là. Alors, vous pouvez continuer sous une très bonne sonorité pendant qu'on va saluer affectueusement les serviteurs de Dieu. L'intercession qui sera conduite par l'évêque David. Donc nous allons nous lever pour que le feu de Saint-Esprit, par le but de remonter, nous allons être puissants. Deux cantiques par la chorale.
La sœur est là, si tu peux venir.
encore timoré. Est-ce que je peux entendre un amen? Donne-moi un amen plus fort que ça. Si ton voisin à côté de toi ne dit pas un amen, arrache son amen. Est-ce que tu peux venir regarder ton voisin? Ce soir. Si je ne prie pas, que j'arrache. Voisin, en cette heure de prière, oublie-moi, je vais vous déranger. Alléluia. Je vais inviter la servante Eliane avec le pasteur Emma qui vont m'accompagner dans ce moment prophétique, la gloire du Seigneur. On va prier, bien sûr. Jésus-Christ est Seigneur. Je sais pas si le pasteur Villa est là, j'ai vu le programme. Gloire à Jésus, est-ce que je peux te lever? Je vais honorer cet homme. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour cet homme. On s'était jamais vu, mais nous sommes venus au téléphone avec l'équipe, bien sûr, et il m'a dit, tu vas prêcher à Pointe-Noire chez mon fils, sans qu'on se voit, avec quelle confiance. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur pour ce qui nous est? Amen. Amen. Je vais serrer en tête ce soir. Gloire à Jésus. Merci pour cette grâce. Jésus-Christ est Seigneur. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, Alpha et Oméga. Le nom de Jésus, nom de Jésus. Thank you.
manifeste-toi. Et tout autour de nous, que tu sois riche, pauvre, élevé, non élevé, bébé, pas ton bébé, quatre personnes principales nous entourent. Dans la vie du commun du mortel, les mathématiques règnent autour de quatre signes indicateurs. Il y a l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Tout autour de nous, il y a quatre personnes qui se battent. Il y a l'addition, la division, tu n'es pas la division, la soustraction et la multiplication. Des personnes qui additionnent dans ta vie, quand ils sont à côté de toi, ils apportent des valeurs ajoutées à ta vie. Prédication, il y a des personnes qui sont soucis de toi. Ce sont les additionneurs et ils apportent des valeurs ajoutées à ta vie. Dans mon amen. Deux, il y a des multiplicateurs. Tout ça, c'est des rentrés dans l'arène. La Bible le dit. Mais je ne suis pas un prédicateur. Les multiplicateurs, quand ils viennent dans ta vie, là où tu avais un, il rajoute deux, il rajoute trois, il rajoute quatre. Nous prions un seul de multiplicateur. Mais il y a des personnes, frères et sœurs, qu'on appelle des soustracteurs. Toi, tu travailles dur. Mais quand la soustraction est dans ta vie, ce que tu as travaillé, tu commences à les perdre. Moi la même. Amen. Tu veux commencer un business aujourd'hui. Et comme le soustracteur ou la soustractrice bien aimée, prenez comme vous le sentez. Entends le message que tu commences à investir dans un autre point. Le soustracteur, il vient te décourager. Il te dira non. Arrête, est-ce que tu pourras dans ce pays? Tu ne regardes pas la fiscalité, tu ne regardes pas les impôts, tu ne regardes pas, tu ne regardes pas. Il ne vient s'aimer un doute dans ta vie. Et comme ça, tu viens ce soir pour dire à l'un de l'autre bord. Et il y a des gens qu'on appelle les diviseurs. Tu es entouré des bonnes et des belles personnes, bien intentionnées. Les gens qui te font du bien, ils ne te font jamais du mal. Ils intercèdent pour toi, ils font du bien pour toi. Ils te donnent, ils te gardent, ils te font du bien. Mais quand le diviseur arrive au milieu de vous, sa mission, c'est de diviser, de séparer. Combien de belles personnes ou de bonnes personnes qui t'entouraient aujourd'hui, quand tu le regardes, tu les as tous perdus. Qui a joué le rôle? Ce sont les diviseurs. Elles sont pas jamais celles-là. Vous allez vous asseoir, acclamons le Seigneur. C'est alors que ce soir, nous allons prier. Nous allons détecter les quatre types de personnes. Nous ne voulons pas aller de l'autre bord avec les deux personnes qui viennent polluer notre environnement. Ces personnes nous fatiguent. Ces personnes nous font reculer dans tous les domaines de notre entrepreneuriat. Tes dons n'avancent pas parce qu'il y a des diviseurs, des soustracteurs. Tes affaires ne marchent pas parce qu'il y a des diviseurs et des soustracteurs.
libre en la beauté, Kanaba. Lève-toi à prier, Rina Badabo. Est-ce que tu as la rage à prier? Hey! Hey! Tout bouger, tout bouger, j'étais allumé, tu l'as allumé, permets-toi.
Le Seigneur nous a fait du bien ce soir. Amen. Alléluia.
Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Bien-aimé, c'est une nuit de la traversée. Pendant 2 ans, nous n'avons pas eu l'occasion de nous retrouver. Il restait pas d'âme. Nous n'avons pas eu l'occasion de prier, d'intercéder, de jeûner. Le Seigneur nous réunit encore. Alléluia. Amen. C'est une belle œuvre que nous menons. Une œuvre que nous menons sur les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Et tout à l'heure, le pasteur Brunel est en train de témoigner. Je lui ai dit, grand frère, hier les évangélistes étaient dans la rue. Ils gagnaient des âmes dans des marchés. Aujourd'hui, notre nouveau marché, ce sont les réseaux sociaux. Il faut s'y mettre. Alléluia. Merci, évêque David Dodon. Merci pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes là pour prier. Nous allons continuer à prier. Amen. Cette deuxième partie, effectivement, je vais la laisser à papa, au pasteur Serge. Eux aussi, ils ont leur temps. Eux aussi, ils ont leur chrono. Ils vont donner. Alléluia. Et alléluia. Ils vont donner ce soir, ce matin, j'allais dire. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Groupe d'animation, le truc était là. Est-ce que maman Fabienne est là? Est-ce que maman Fabienne est là? Elle n'est pas là. Père, on a pris une prière. Une autre partie, s'il vous plaît, vous allez me le donner. Nous allons prier pour ça avec les hommes de Dieu qui sont là, qui croient avec moi. Ce montant-là, c'est pour papa Cardo. Si tu es d'accord avec moi, ferme Dieu. Si tu es d'accord avec moi, ferme Dieu. Avec la collègue, tout en respectant les distances sanitaires, le protocole va aider. Manette avec de rond par rond, nous allons donner la collègue à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, papa.
serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la pointe de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, toute grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Le sixième verset. Si tu l'as, souligne-le. Josué 1, verset 6. Je veux que quand tu sortiras d'ici, que ce sixième verset soit un verset dont tu vas te souvenir. Ce verset te servira pendant l'an 2022 que nous sommes en train de commencer. Et toi, tu verras la grâce de l'Éternel. Fortifie-toi et prends. Fortifie-toi et prends. On n'a pas dit, je dois te donner courage. On n'a pas dit, je dois te fortifier. Mais la Bible est en train de dire, fortifie. Alors là où on a dit au travail, que toi tu vas faire ce, perdre ce boulot, je viens en tant que serviteur de l'Éternel t'annoncer, fortifie-toi, et ce boulot est à toi au nom de Jésus. Là où on a dit, le dossier est rejeté. Que le Seigneur revêt l'esprit. Que le Seigneur revêt l'esprit. Oh, je me lève.
honorer l'Éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Tu vas sentir comme une chaleur au niveau de tes oreilles. N'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est la visitation de l'Esprit Saint. C'est la visitation de l'Esprit Saint. C'est la visitation de l'Esprit Saint. Tu vas sentir comme. Tu vas sentir comme la chaleur au niveau de tes mains. N'aie pas peur. Reçois la grâce de l'Esprit. Reçois la grâce de l'Esprit. Reçois la grâce de l'Esprit. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Mets-toi à l'œuvre, Seigneur. Mets-toi à l'œuvre, Seigneur. Agis au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Il y a des gens dans la salle. Debout. Derrière. Tu vois souvent des choses, mais que tu ne comprends pas. Lève-toi là où tu es. Mets tes deux mains sous tes yeux. Tu vois des choses. Tu fais des rêves que tu ne comprends pas. Tu fais des rêves que tu oublies. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Ouvre-toi dans la place. L'heure est arrivée. Que le Seigneur te visite là où tu es. Que le Seigneur te visite là où tu es. Que tu es quelqu'un. Mais que tu as la marque. Mais que tu as la rêve. Mais que tu comprends aussi. Mais que ça va la Mambuyamikanda, dossier, régularisation, nationalité. Alléluia, alléluia. Avance, avance, avance. Problème de papier, problème de regroupement. Alors j'ai dit, Seigneur, pourquoi je pleure? Le Seigneur m'a montré un frère. Si elle se trouvait à l'hôpital, ce frère est malade. Il a une petite cartouche devant les uns de ce monde. Elle peut paraître grand. Mais devant Dieu, c'est des petites choses. Alléluia. Jésus. Jésus. Thank you.
Donnez-la le micro. Frère, coupe la caméra. Ne filme pas.